C'est parti, les amis. 1 contre 7 IA. Victoire uniquement merveille et rien d'autre. Donc le but, c'est de gagner avec la merveille. On a toutes les civilisations contre la Chine. Les 8 civilisations sont représentées. Premier essai, infructueux. Deuxième essai. On est sur colline et vallée, donc dans les règles, j'ai le droit de choisir la map. On a essayé col français tout à l'heure. Et cette fois, colline et vallée. Ah, c'est peut-être meilleur, colline et vallée. Peut-être meilleur, je pense, sur la strat que j'ai envie de faire. Ok. Puis démarrer au cerf, c'est quand même plutôt intéressant. On rapproche les cerfs hein, pour optimiser au max. Voilà. Non, ne le tue pas. Ok, on ramène. Ouais, je pense que sur cette map, ça va le faire. On va ramener la taxe, l'imposition. Ok. Et on explore. Et une ouverture ici. Grande ouverture devant, elle a l'air d'être gigantesque. Ok, on n'est pas trop mal pour le moment dans notre build order. Ok, faudra fermer devant. Bon, les amis, petit vote là. Un petit vote juste dans le chat. Ceux qui pensent que je vais y arriver, tapez 1. Ceux qui pensent que je vais pas y arriver, tapez 2 sur cet essai. Est-ce que j'ai démarré la prédit ou pas? Ou c'est l'ancienne prédit? Je crois que j'en ai démarré une autre. C'est l'ancienne prédit? Ça veut dire quoi, non? Ancienne? Attention, hein, si tu mens, t'es banni à vie. Ok, on va relancer. Voilà, vous pouvez voter. Attendez. Faut que je retrouve mes esprits là. J'en suis où? Mien
隐蔽就下不钻洞看这边李恒中芝麻街明白牙齿就错 Ça retarde mon forum, pas mal même. Mais il faut faire les choses bien. Je veux que ça coûte le moins cher possible. On peut pas faire moins cher que ça. Vous pensez qu'ils ont déjà envoyé de l'armée en chemin ? Check la force du mur, le mur est bien construit. Le pays, on peut pas passer de l'autre côté. Ok. C'est chaud, hein. C'est super chaud. Putain, si l'IA fait du bélier, je suis dead. C'est fermé partout, hein. On est en sécurité. Ça veut dire quoi, F4, F11? F11, c'est pour mettre le temps. Bon, on va refaire un vote chat maintenant qu'on a stabilisé. On est sécure. Ceux qui pensent que je vais la win, tapez 1. Ceux qui pensent que je vais la perdre, tapez 2. Je rappelle qu'on est contre 7 IA et qu'on doit gagner avec la merveille. Alors on fait un boom. Je vous explique la stratégie. On fait un boom 3 TC. On fait un boom 3 TC. Into défense de merveille. Alors c'est qui lui? Ok, c'est l'Abbasside. Chut.
Et... On va y arriver ou pas? Est-ce que nous allons y arriver, les amis? Il nous faut plus de murs, hein. Attendez, il nous faut la dynastie. En vrai, c'est pas un bon emplacement. Il faudra que je fasse des murs comme ça de pierre après. En vrai, ça va défendre contre les petites agressions du début. Ok, on fait la barbacane ici. Ok, on met le point de ralliement à l'or, il nous faut plus à l'or. On attaque les fermes. Les brouettes. Est-ce qu'on va y arriver? Un V7, je rappelle. Du coup, notre boom est... démarre bien. L'armée arrive. L'armée arrive. Il va me falloir trouver une réponse à cette armée incessamment sous peu. Vous trouvez comment ma réponse? Vous la trouvez comment ma réponse? Est-ce qu'elle est douce? Joyeuse? Intéressante. Pixel. Raffinée. Elle est raffinée. Tu mets des tours plutôt que des murs. Mais les tours, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Je sais pas si les tours... Ouais, les tours en pierre, je sais pas ce que... Genre, ouais, c'est fort. Je sais pas si on en fera. Oh, il va faire du bélier, hein. Je vous jure, il va faire du bélier. Oh mon dieu. On a la dynastie Song, on est d'accord. Du coup, on prend les villageois 35% plus vite. On en a 74 déjà. Eh, mais je peux déjà faire une tour en pierre. Bon, on va faire des tours en pierre alors. Bon, là, il essaye de rentrer. Il essaye de trouver une porte d'entrée. Oh mon dieu, heureusement qu'il a pas la portée. Pour mes péons. Non, non, faut que je laisse la place pour refaire un mur de pierre. On est le premier château, hein. C'est déjà une belle victoire. Trop peur de me faire attaquer par là. Ah, j'ai pas assez. Je peux pas tirer?
sais pas comment ça marche. Oh mon dieu! Mais pourquoi j'ai fait ça? Je vais jamais gagner! Pourquoi j'ai fait ça? Faut que je fasse gaffe, hein. Il faut 3000 de pierre. On va aller chercher la pierre là. J'ai quand même la sensation qu'ils vont réussir à rentrer par là. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Bon, faut que j'aille impérial.
Quoi, c'est... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la pierre pour faire la merveille. Allez, faut faire la merveille, non. Comment je fais? On revote, tapez 1 ceux qui pensent que je vais y arriver, tapez 2 ceux qui pensent que je vais pas y arriver. On n'a pas la stone. La vitesse de déplacement, c'est bon à prendre. En vrai, il y a une tech qui les rend moins chers. On va le faire aussi. On va mettre ça, il nous faut plus de pierres. En vrai, l'IA nous fait... On n'a pas la vie facile avec ces IA. Hein. Pas comme si je pouvais prendre de la pierre en sneaky. T'as attaque de tous les côtés. Ah ouais, des éléphants, c'est fort les éléphants. Il y aura bientôt du canon. Est-ce que je fais du canon ou pas?
Oh mon Dieu! Finir cet or. Douze minutes, les amis. On va le faire. Let's go, les amis. On va le faire. 12 minutes. Est-ce qu'on va le faire, les amis? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va la gagner, celle-là? En 1v7. Non? Parce qu'en fait, dans 3 minutes, ils vont arriver avec des milliards de canons. Ça va être instoppable. Ouais, la vague de canons, en fait. Je sais pas comment tenir la vague de canons. Je me pose la question si je prépare mes propres canons derrière une porte. J'ai plus de bois. Impérial. Oh, j'ai cru qu'il était rentré. Oh, j'ai eu la peur de ma life. Et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'ils étaient dedans. 10 minutes, les amis. Ah, tu es le traître. J'ai cru que l'ennemi était rentré. Ok, on l'a fait reculer.
7 minutes, les amis. Est-ce qu'on va les tenir? Sécurité. Oh mon Dieu. Plus que 7 minutes. Plus de murs. Plus de murs. Ça va le faire. On y croit. Mon canon est toujours là. Si mes pions ne travaillent plus, j'ai plus de ressources. Oh non, mon canon! Oh non! Viens par là! Avoir du bois, c'est cool. 6 minutes. Alors les canons, ils vont arriver avec full canon en fait. Et ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème quand ils vont arriver avec full canon. Non mais 5 minutes, t'as fait les 5 minutes les plus longues de toute ma life. Je vous jure. C'est les 5 minutes les plus longues de toute ma life. Non, mon canon. Ok, si je fais des allers-retours comme ça, je vais finir par le prendre. Après, les couleuvrines, c'est pas dangereux. Ah, les canons chinois. Ah, c'est déjà cool. Oh mon Dieu. 3 minutes les amis. Oh non, crache pas. J'ai perdu mon canon. J'ai perdu mon canon.
J'avoue qu'à l'autre falaise de gauche. On peut faire ça, hein. Canon sur falaise de gauche. Oh non, la porte. Tous à la porte principale. Tous à la porte principale. Tous à la porte principale. Réparez la porte principale. Réparez la porte principale. Mais non, réparez. Assiégez le bélier. Le canon arrive. Ah, je dois d'abord détruire, mais je peux pas tirer au-dessus d'une falaise. Ah si, je peux. Réparer la porte. En bas. Oh, il y a du bélier, faut que je fasse gaffe. Réparer les murs, les amis. Attention, l'ennemi arrive par là. Oh mon Dieu. 50 secondes, les amis. On va le faire. On va aller chercher le trébuchet. Oh, les canons arrivent. Les canons arrivent. Non, il va mourir. Rentrez au barcaille. Let's go. 2, 1, 0. Yes. On l'a fait. 1v7, victoire merveille. Let's go. Il y en a, ils vont se mettre bien dans les paris. Oh mon Dieu. La grosse game merveille. Waouh. Incroyable. Cette IA en très difficile. Toutes les civilisations sont présentes. 1v7, la Chine contre le monde entier. Waouh. Nombre de villageois. J'ai eu beaucoup de villageois. Puis ensuite, nos villageois ont vaillamment défendu notre empire en réparant. Nombre d'unités militaires, on n'a pas eu énormément. Total de ressources sur la fin, le orange, il explose niveau ressources. Waouh. Incroyable. Nous, à un moment donné, on a utilisé toutes nos ressources. Après, on avait de la nourriture, en fait. On ne savait pas trop quoi en faire, parce que les fermes sont infinies dans le jeu, donc tu peux avoir de la nourriture pour toujours, si tes fermiers ne se font pas attaquer, ou si tu ne les arrêtes pas. Score, à la fin, on a un moins bon score. Au début, on a un meilleur score, grâce à notre économie. Mais après, on n'évolue plus au niveau du score, parce qu'on se contente de défendre la merveille. On a quand même payé cher la merveille. Là, c'est quand on fait la merveille, je pense. Quand on construit la merveille ici, le score qui explose d'un coup. On va regarder les statistiques. Le score total. Donc en score total, on n'est pas au-dessus. Armée, on a 3000. Voilà, on est plutôt moyen au niveau du score. Au niveau du KDA, on a 944 unités tuées contre seulement 100 unités perdues. Les nids d'abeilles ont fait la différence. Je pense qu'on peut le dire.